Bonjour, je vous présente le travail numéro 6 qui est à faire pour le lundi 18 mai. Donc d'abord, où trouver ce travail? Vous pouvez vous rendre sur la page qui vous est dédiée, le travail à distance en sciences physiques pour les 6e, sur le site de physique, démarrer le module, rendez-vous à la semaine qui nous intéresse, la numéro 7. Petite introduction qui vous rappelle que vous pouvez trouver sur le site la correction du devoir numéro 5, que nous sommes déjà intéressés à l'énergie de pesanteur il y a la semaine dernière d'ailleurs, c'est vrai, et nous verrons que cette semaine, il y a un autre facteur que l'actitude qui compte pour l'énergie de pesanteur. Donc, devoir numéro 6 se compose d'une question, deux questions, cinq questions en tout. Première question. Sur une feuille à carreaux, écrire le titre du devoir centré en haut de la feuille. Donc, réécrivez le titre qui est devoir numéro 6, l'énergie de pesanteur. Tout d'abord, un premier document. Document numéro 1, énergie de pesanteur. Nous avons vu avec l'expérience du cratère dans la semoule que plus la bille était lâchée de haut, plus elle faisait un cratère large et profond. Donc, cela voulait dire qu'elle avait plus d'énergie. En effet, plus la bille arrive à déformer la semoule, à faire un trou qui est grand, plus elle a de l'énergie. Cette énergie, on appelle l'énergie de pesanteur. Pesanteur, qui est de la même famille que le mot poids, en effet, cette énergie de pesanteur dépend de la planète. Plus la planète attire les objets, plus l'objet aura de l'énergie de pesanteur. Document numéro 2 vous montre l'expérience d'aujourd'hui qui va être utile pour répondre aux questions. Deux manipulations. Première manipulation, une main tient une balle de tennis qu'elle va lâcher sur le sable. La balle a une masse de 55 grammes. On obtient la marque A, qui se trouve dans le document numéro 3. Deuxième manipulation. La même main tient une autre balle à la même hauteur. Donc ici, le paramètre hauteur ne change pas. C'est la même pour les deux expériences. Par contre, ce qui change, c'est la balle. Cette fois-ci, la balle pèse 12 grammes. La main lâche cette balle de 12 grammes dans le sable. On obtient la marque B. La marque A paraît plus large et plus profonde que la marque B. Pour en être sûr, vous pouvez prendre votre règle et vérifier. Question 2. Écrire le protocole de l'expérience du document numéro 2. Je vous rappelle, le protocole signifie les étapes de l'expérience. Donc, question numéro 2. Écrire les étapes de l'expérience. Vous pouvez faire pause le temps d'écrire les phrases. Question numéro 3. Quelle manipulation a créé la marque la plus large dans le document numéro 3? Est-ce que c'est la manipulation de la marque A ou est-ce que c'est la manipulation de la marque B? Vous pouvez faire pause le temps d'écrire la phrase. Question 4. Dans quelle manipulation la balle avait le plus d'énergie de pesanteur? Justifiez votre réponse. Si vous vous souvenez, comment on peut le savoir? Posez-vous la question par rapport à ce que j'ai dit dans le document numéro 1. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 5. De quoi dépend donc l'énergie de pesanteur? Vous pouvez répondre à cette question à l'aide de ce que vous avez trouvé dans la question 4. Travaillez bien.